Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un haul coloriage mystère Vinted. Donc j'ai acheté deux livres sur Vinted de coloriage et mystère. Donc j'ai acheté les 100 nouveaux coloriages mystères de chez Hachette Heroes et Merveilleux voyage de chez Larousse. Donc on va commencer par celui de Hachette Heroes. Donc ce livre là, c'est un livre qui commence un petit peu à dater, car il est sorti le 22 octobre 2014. Donc, vous voyez, il commence un petit peu à dater. Donc, pourquoi je voulais ce livre? Déjà, il a été illustré par Jérémy Mariès. Donc, moi, j'aime beaucoup cet illustrateur-là. Et il a une petite particularité, on va dire, c'est qu'il a des doubles pages. Donc, je m'explique. Quand je prends cette page-là, vous voyez, par exemple, donc le coloriage, il fait les deux pages. Donc, j'ai pas vu ça sur d'autres livres de coloriage mystère. Vous voyez, là, vous avez la légende. Donc, je vais faire, là, il y a le trépied, donc ça va pas être évident. Donc là, vous avez la légende et vous voyez, le dessin fait les deux pages. C'est pour ça que je voulais ce livre. Donc, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas 100 coloriages mystère. Parce qu'il y a aussi dans celui-là, donc je vais vous faire voir si j'arrive à tomber dessus. Il y a des points à relier. Et il y a des pages là comme ça où il y a des points à relier. Donc ça, j'aime pas trop, je ne les ferai pas. Donc par contre, bon, ce sont des collages qui sont assez simples. Hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et ce sont. Il y a des grosses zones. Donc vous voyez là. Je vous rapproche. Quand même des grosses zones. Et par contre, on voit très très bien. Il n'y a pas de souci, les numéros. Et il est assez simple. Donc, je vais vous faire voir les solutions. Je préfère prévenir pour les gens qui ne veulent pas être spoliés. Je me suis dit que ça allait changer un petit peu. Donc, voilà pour les premières solutions. Donc, vous voyez, comme celui-là, il fait la double page. Donc, ça, je trouvais ça très intéressant. Et celui-là aussi, d'ailleurs. Donc, vous voyez, ce qui est bien, c'est que, bah voilà, ça change. Vous avez vraiment de tout, des personnages, des paysages. Donc, voilà, je trouve ça sympa. J'aime beaucoup celui-là, je le trouve très sympa. Donc celui-là aussi, c'est une double page. Donc après, forcément, il y en a que j'aime pas trop dedans. Il faut savoir qu'aussi, la personne le vendait 2 euros. Donc franchement, voilà, il est tout neuf. Il n'a jamais été colorié. Donc ça, c'est l'illustration de la page de couverture. Donc elle fait aussi deux pages. J'ai hâte de la faire celle-là. Donc ça va, les illustrations sont pas sombres. Je pensais que ça allait être plus sombre que ça. Donc je suis assez contente. En plus, comme ça, vous aurez les solutions. Parce que ce livre-là, je n'ai pas trouvé de solution sur YouTube. Parce que moi, il faut savoir que quand j'achète un livre, Hachette, je regarde toujours les solutions avant. Donc, voilà pourquoi. Moi, peu importe, je m'en fous d'être spolié. J'achète pour les solutions. Et celui-là, bon, bah, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai demandé à la personne qui s'il pouvait m'envoyer quelques solutions, mais je les avais pas tous. Vous voyez, comme celui-là, j'aime pas tellement. Mais bon, sinon, les autres, ils sont assez sympas. Moi, j'aime bien. Donc, forcément, il y en a passant. Donc, voilà pour la dernière page. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de doubles pages, hein, parce que j'étais en train de repérer ça. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc, ça, c'est une double page. Donc, il y en a quand même pas mal de double page. Là aussi, c'est une double page, celui-là. Vous voyez, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y en a une. Là, il y a une double page, là aussi. À chaque fois, il y en a. Donc, là aussi, là aussi. Il y a quand même pas mal de double pages. Je suis super contente. Donc, vous voyez, celui-là, j'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Il y en a que un ou deux que j'aime pas dedans. Donc, ça va aller. Donc, là, il y a une double page, j'avais dit. Là, il y a une double page aussi. Et là aussi. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc, voilà pour ce livre-là. Maintenant, on va passer au deuxième. Donc, ce livre-là. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Il me semble qu'il est sorti cette année. Donc là, ils viennent de sortir le 2. Donc celui-là, c'est les Merveilleux Voyages et l'autre, c'est l'Incroyable Nature.
Voilà. Donc c'est des livres, c'est Larousse qui sont mis à faire des coloriages mystères. Donc ça, c'est super. Et celui-là, j'adorais parce que bon, bah moi, voilà, j'ai toujours eu envie de voyager et c'est que des cartes postales. Moi, je trouve ça super. J'ai adoré. Donc, par contre, il est un petit peu cher, je trouve, parce qu'il est quand même à 14,95 € et il n'y a que 40 coloriages dedans. Donc, comparé à un Hachette Heroes où, pour le même prix, vous en avez 100. Donc, moi, c'est pour ça que je l'ai pris sur Vinted. Je l'ai acheté de casse pour ça, parce que je n'avais pas envie de l'acheter neuf. Et franchement, celui-là, ça fait très longtemps qu'il me faisait de l'œil. Donc, je suis contente de l'avoir. Il est neuf, il n'a jamais été colorié non plus. Et la personne le vendait, il me semble, 6 euros. Donc, c'était correct. Et aussi, ce qu'il a de bien, celui-là, vous voyez, c'est que il n'y a pas de. Il n'est pas recto verso. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez, vous voyez là. C'est aussi un coloriage mystère, mais vous voyez, il n'est pas recto verso. Donc, ça, c'est super. Donc, je vais voir les solutions. Parce que celui-là, c'est pareil, je n'ai pas trouvé les solutions sur YouTube. Mais j'avais vu au magasin. Donc, par contre, la seule chose qu'il y a, c'est que je vais vous faire voir aussi. Les pages ne sont pas numérotées. Donc, moi, vous voyez, là, il n'y a pas de numéro. Moi, je vais les numéroter. Par contre, les cases, vous voyez, sont assez grandes. Et les couleurs, c'est toujours pareil. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc, je pense que ça pourrait aller. Regardez-moi ça comment c'est. Il est vraiment super beau ce livre. Moi, franchement. Regardez tous ces pays, ces belles cartes postales. Le Japon, là, hein, trop beau. Donc, franchement, c'est vraiment, il est vraiment trop, trop beau celui-là. Donc, j'ai hâte de le commencer. Donc, je pense me prendre le deuxième, mais pareil, je vais l'acheter d'occasion. Hein, je ne vais pas l'acheter neuf non plus. Si je le trouve sur Vinted, je me prendrai le deuxième aussi. J'ai déjà vu dans mon espace Leclerc et franchement, le deuxième aussi est très très beau. Comme ça, vous aurez les solutions si vous avez envie de vous l'acheter. Donc celui-là, il est disponible sur Amazon, la Fnac, un peu partout et vous l'avez aussi dans vos magasins Leclerc, Carrefour, tout ça. Donc vous pouvez le trouver un peu partout. Voilà pour les solutions de celui-là. Franchement, il est vraiment trop beau. Donc j'avoue que mon préféré... Je suis en train de regarder. Bon, j'aime bien Madrid, mais c'est normal, hein, vu mes origines. Je suis d'origine espagnole. Et sinon, bah, je trouve que celui-là qui est vraiment beau, qui me plaît le plus, c'est cette illustration-là du Japon. Je la trouve vraiment magnifique. Voilà pour mes livres. Voilà, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, lequel vous avez aimé, ou si vous les avez déjà. Donc celui-là, je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont, hein. Donc sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!